quand j'ai reçu ma lettre de licenciement, je me suis dit que dans un sens, c'était pas plus mal. Je commençais à en avoir marre de l'électroménager. Puis avec l'ambiance chez Prodex qui devenait pénible. Et puis que c'était tant mieux pour les Hongrois s'ils devenaient Prodex et qu'ils se mettaient à assembler à leur tour. Non, je te jure. Quand j'ai reçu ma lettre, j'ai ressenti du soulagement. Mais tu m'as déjà raconté la lettre. Après 18 ans d'assemblage, je pensais retrouver du travail sans difficulté. C'est vrai, quoi. Prodex, c'est quand même pas n'importe quoi. Mais ça dit quelque chose à tout le monde. Enfin, surtout aux vieux. Rester fidèle à la marque depuis les années 60 parce que les appareils avaient la réputation d'être solides à l'époque. Un peu comme les appareils allemands, hein, qui avaient la réputation de jamais tomber en panne. Aujourd'hui, les jeunes, ils s'en foutent que ce soit Made in France. Made in Hongrie aussi, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, les jeunes, aujourd'hui, c'est des appareils avec des couleurs flashy et des formes tarabiscotées. C'est ça qu'ils veulent, les jeunes. Que ce soit solide, ça, ils n'en voient pas du tout l'intérêt. C'est juste que ça fait vieux, l'argument de la solidité quand on est jeune. La solidité aussi, tu me l'as déjà raconté. C'est bon pour les vieux d'avoir un appareil que tu branches et qui démarre au quart de tour. Dis, maman, tu l'as depuis combien de temps, ta cocotte? Hein? Pour tes 60 ans, tu voudrais pas d'une cocotte toute neuve? Hein? Pour ton anniversaire, tu voudrais pas qu'on t'en offre une toute nouvelle? Laisse, ma fille, j'en ai pas besoin d'une nouvelle. Celle-là durera bien assez longtemps et tu sais pourquoi. C'est une Prodex. Voilà. Ça, c'est le côté renfermé des vieux que les jeunes comprennent pas. Ils préfèrent s'acheter un appareil tous les 2 ans, puis comme c'est de mauvaise qualité, hein, bah tout le monde est content. Enfin, surtout les Chinois. Parce que c'est leur marque de fabrique. Les appareils de mauvaise qualité, à des prix défiant toute concurrence. Puis maintenant que l'assemblage va se passer en Hongrie, bah ce sera sûrement moins cher et... peut-être en profiter pour revoir la gamme des couleurs et des formes par la même occasion. Tu voudrais pas changer de disque? J'ai commencé chez Grofibus. J'étais rentrée chez Grofibus grâce à un ami de mon oncle qui travaillait là-bas comme contremaître ou autre chose, je sais plus. Tu m'as déjà raconté Grofibus. J'y suis restée 2 ans. C'est là que j'ai tout appris. La gamme des appareils était pas très variée, puis moi j'assemblais toujours les mêmes. Chez Grofibus. Parce que Prodex, c'est pas Grofibus. La gamme est bien plus variée. Moi j'ai dû apprendre à assembler tous les appareils sans exception. Et ça m'a pris des semaines avant de m'en sortir tout seul. Oh là là, dur. Non, c'était bien. C'était bien. J'y suis restée 18 ans. Christine, j'ai rencontré quelqu'un et cette fois-ci, je crois que c'est du sérieux. Parce que ce qui était bien chez Prodex, c'était l'ambiance. La bonne ambiance est devenue mauvaise. Dès qu'on a entendu parler de Hongrie, un jour, des Hongrois sont venus visiter Prodex. Et là, on n'a plus du tout entendu parler de Hongrie, on a carrément entendu parler hongrois. C'était comme si, je sais pas, on avait perdu la guerre. Tu prends toujours tes pilules? Le docteur m'a prescrit du Lexomil. 1 quart le matin. J'en ai pris 1/2 direct. Le lendemain, je prenais le 3/4. Maintenant, je prends la pilule en entier parce que ça me fatigue de couper la pilule en 4. Christine.
que j'arrive à oublier Colette. Je sais pas, mais ce serait bien. Pendant 18 ans, je me suis levée en pensant Prodex. Je me suis couchée en pensant Prodex. Comment tu veux que j'arrive à oublier Prodex? Je sais pas, il n'y a pas de Prodex dans la vie. Il n'y a pas de Prodex dans la vie, tu peux me dire ce qu'il y a d'autre? On peut rencontrer quelqu'un. Un Hongrois. Il n'y a pas de Prodex dans la vie. Sinon, Prodex serait écrit partout sur les murs. Il n'y aurait que des articles sur Prodex dans les journaux. À la télé, les gens parleraient que de Prodex, Prodex, Prodex. Là, pour moi, il n'y a que Prodex. Et c'est comme si j'y étais encore, chez Prodex. Et tant que j'aurais pas retrouvé du travail ailleurs, par exemple, chez Paulinka, tiens, et ben je resterai une Prodex et fière de l'être. J'ai rencontré quelqu'un. Quel est le rapport avec Prodex? Tu travaillais bien chez Prodex quand tu as rencontré Frédéric? Ça fait 15 ans. Bah et alors? Prodex est-il plus important aujourd'hui qu'hier et sera-t-il moins important demain? Je t'écoute. Une copine dont l'oncle a travaillé dans le temps chez Prodex, tu vas voir, ça va t'intéresser, a voulu qu'on aille voir un match parce que son fiancé joue dans l'équipe de son bled. Quel rapport avec Prodex? Après le match, autour d'une machine à café qui avait tout l'air d'être une Prodex. C'en était certainement une. Les gens achetaient Prodex, on a inondé toute la région et les gens achetaient Prodex parce que ça faisait vivre des familles entières. Eh ben c'en était une. Une vieille Prodex bien résistante. Pas de pompe à bière? Non, parce que Prodex fabrique aussi des pompes à bière. Si, il y avait une pompe à bière Prodex juste à côté de la machine à café Prodex. C'était sûr. Soudain, il est entré dans les vestiaires. Qui ça? L'entraîneur de l'équipe. Beau comme un mixeur sortant d'un atelier de chez Prodex. C'est vrai qu'ils étaient beaux. Svelte, élancé, fuselé et solide en même temps. On a discuté toute la soirée. De Prodex? Oui, de Prodex. Mais d'autres choses aussi. Je vais tout de suite te parler de son équipement ménager parce qu'on est allé chez lui. Bien équipé. J'en ai connu des hommes équipés modestement, mais lui... Oh, il avait un équipement de premier choix. Tout Prodex? Il y a longtemps que je ne m'étais pas régalé comme ça. Micro-ondes? En acier. 92, 80 NB, LRCP, capacité 32 litres, puissance, MO, grill, chaleur tournante, décongélation. Oh, décongélation, grill, chaleur tournante. Prodex. T'es contente? Je suis très heureuse. Toi qui te plains de jamais rencontrer personne. Oh Christine, cette fois-ci j'en suis sûre. Oh, j'ai rencontré quelqu'un. Bonsoir, cœur. Ta journée s'est bien passée. Ne change pas de sujet de conversation. Comment ça, change pas de sujet de conversation? J'ai encore rien dit, hein. Comment est-ce que je pourrais changer de sujet de conversation? Quoi est-ce que nous parlions tout à l'heure, avant que tu t'en ailles travailler chez Sodecom? De ton travail chez Prodex. Tu crois que tu ne me le fais pas sentir assez comme ça? Que je travaille plus chez Prodex en t'en allant comme ça, tous les matins, comme tu fais chez Sodecom? Je travaille chez Sodecom, je suis bien obligé d'y aller. Tu crois que j'ai pas remarqué ce petit air satisfait que tu prends chaque fois que tu y vas? Un petit air satisfait? Ben quel petit air satisfait? Figure-toi qu'il me fait souffrir toute la journée, parce que figure-toi que...
que moi. Je ne suis pas satisfaite du tout. Mais je t'assure que je ne m'en rends pas compte. Cet air, tu le prends tous les matins. Oh, pardonne-moi, mon cœur. Je te promets de faire attention. Est-ce que tu peux me dire quel air je prends exactement? L'air de quelqu'un qui part travailler. Ben, ça ne se reproduira plus. Ça m'a mis une sorte d'entrain. C'est très blessant pour moi. Une sorte d'entrain? Oui. Mais je t'assure, je ne fais pas exprès. Tu souris avant de fermer la porte. Tu fermes la porte et moi je me retrouve seule toute la journée. Oh, mon cœur! Tu ne te rends pas compte de ce que j'endure. Écoute, à partir d'aujourd'hui, plus de sourire. Enfin, quand je pense que si je souris, c'était dans l'idée de te faire plaisir. Je devais sourire sans chercher autre chose qu'un dernier signe entre nous avant d'aller travailler chez Solicom. Alors pourquoi pas un sourire? Voilà ce que je devais me dire en partant et en te laissant seule à la maison. Oui, bah tu feras attention. Alors, pourtant, je t'assure que je n'ai pas le cœur à sourire quand je pars travailler chez Solicom. Il y a encore eu un suicide cette semaine. Quoi? Dans ces conditions, tu comprendras que si je souris, c'est pas parce que je vais travailler. Encore un suicide? Et un autre la semaine dernière. Qu'est-ce qu'ils ont tous à se suicider? Et c'est à cause du surplus de travail, mmh. On travaille plus. C'est quand même pas une raison, je demande que ça, moi, travailler plus. T'as raison, hein. Dans un sens, c'est incompréhensible. Toi, ils t'en donnent plus du travail? Moi? Pendant une période, ils m'en donnaient plus. C'est la période qui a correspondu à la première vague de suicide. Mais je n'arrivais pas à faire tout le travail qu'on me donnait. Alors là, je te jure, j'en ai entendu. Je ne donnais pas les résultats qu'on attendait de la part d'un employé de la Sodecom. J'en ai entendu pendant cette période. C'est la période qui a correspondu à la deuxième vague de suicides. Mais maintenant que nous en sommes à la troisième, ils ne me demandent quasiment plus rien. Très bien. En fait, je ne travaille plus du tout. Ah bon? Bah, pour être tout à fait exact, je suis employé à des tâches qui ne correspondent pas au niveau de qualification qui m'a permis d'entrer chez Sodecom. J'agrafe des dossiers. Tu agrafes des dossiers? Et puis ça ne doit pas être des dossiers bien importants, parce qu'il m'arrive d'en retrouver le soir dans les poubelles. Tu agrafes des dossiers sans importance? C'est tout ce que tu fais de tes journées? Pas seulement. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Je sors les poubelles. Pardon? Je sors les poubelles. Tu sors les poubelles? Oui. Pourquoi tu sors des poubelles? Les Sodecom manquent de techniciens de surface depuis que la direction a décidé de faire des économies. Mais c'est quand même pas une raison. Ben, la direction veut faire des économies. Et donc tu... Des économies? Ben, la période est aux économies. Et donc tu les sors? Ben, c'est ça, oui. Mais tu n'as pas à sortir les poubelles parce que la direction a décidé de faire des économies sur le personnel d'entretien. J'aime bien les sorties. Frédéric, je suis très fatiguée. Et pendant une seconde, j'ai cru que tu sortais les poubelles chez Sodecom. Oui, ben, c'est ce que je fais. Je sors les poubelles depuis un mois. Frédéric, allons nous coucher parce que je me sens pas très bien. Puis toi-même, j'ai l'impression que ça va pas du tout. Mais en les sortant, j'ai l'impression d'être utile. Si je ne les sortais pas, les poubelles se rempliraient. Il deviendrait alors difficile de travailler. Il deviendrait alors difficile de travailler? Oui. Et donc, tu les sors? Ben comme ça, il n'y a plus de problème. Mais le problème, Frédéric, c'est que tu es technicien en informatique, pas technicien de surface. Je me sens utile en les sortant. Tu peux me dire ce qui se passe, Frédéric? Ben en plus d'être utile, je fais de l'exercice. Et je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais j'ai perdu du poids ces derniers temps, t'as remarqué? Ben, Sodecom est au sixième étage. Alors, comme la direction m'a demandé d'éviter l'ascenseur, je prends l'escalier de service. Et l'escalier n'est pas très large. Il y a des endroits où il faut que je porte les poubelles à bout de bras. Et alors là, je
te prie de croire que je transpire comme un bœuf. Comme un bœuf. Eh bien, je vais aller prendre une douche et je vais me peser. Oui, très bien. Il y a quelque chose qui ne va pas, Frédéric. Ah non, non, ça va. Ah non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Si, si, je t'assure. Non, ça ne va pas du tout, Frédéric. Mais je suis certain d'avoir perdu du poids. Mais c'est pas du poids que tu vas perdre, Frédéric. C'est ton travail chez Sodecom. Ils veulent te pousser à la dépression. Que tu partes de toi-même. T'es le prochain sur la liste, Frédéric. Mais je ne me sens pas du tout suicidaire. Eux sentent que tu l'es. Encore 3 allers-retours dans l'escalier de service et c'est toi qui sauteras dans la poubelle devant Sodecom. Tu sais quoi? Je vais aller prendre une douche et je reviens te dire combien je pèse. Frédéric, je veux que tu me dises exactement ce que tu fais chez Sodecom. Bon. Je passe dans les bureaux pour vérifier le contenu des poubelles. Quand une poubelle est pleine, je la vide. Et les gens m'en remercient. Je commençais à en avoir assez d'informatique. C'est tellement déshumanisé l'informatique. Maintenant, je parle aux gens. Et les gens me parlent. Je ne me rendais pas compte à quel point je manquais de contact humain. Depuis que je sors les poubelles, j'ai repris goût à la vie. Un processus qui va te conduire là où personne n'a envie d'aller. Où ça? Au cimetière. Oh, Jean-Bernard, ne dis pas des choses pareilles. Mais c'est tous les jours que des histoires pareilles remontent au syndicat. Alors, on ne sait pas trop comment ça commence, hein, mais on sait très bien où ça se termine. Explique-lui, Jean-Bernard. Ouais, comment dire? Le problème, c'est de s'y prendre au bon moment. Voilà. Alors, les gars ne parlent pas parce qu'ils ont honte. Et quand ils se mettent à parler, bah, c'est trop tard. Écoute bien, on étudie la question sur un certain aspect au syndicat, mais c'est pas évident. Oui, je vais bien, je t'assure. Non. Tu ne vas pas bien, Frédéric. Tu ne vas pas bien du tout. Tu es dans le déni, Frédéric. Tu es dans le déni et c'est très grave. J'ai une façon de me regarder, là, je ne sais plus ce que je disais. Soit il parle pas, puis quand il parle, c'est trop tard. Exactement, voilà. L'autre jour, il y a un gars qui m'a appelé juste avant de sauter par la fenêtre. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Allô, Jean-Bernard, merci pour tout, c'est fini. Il a raccroché et il a sauté. Comment veux-tu discuter dans des conditions pareilles? C'est trop tard. Et comment ça se passe chez Sodecom? Mal, ça se passe très mal. Laisse-le parler, Christine. Non mais Jean-Bernard, t'es mon ami. Mais Christine a eu tort de t'appeler. Et ce qui se passe, c'est que ça bouge pas mal en ce moment chez Sodecom. Et comme je le disais à Christine, changer ma façon de travailler m'ouvre des perspectives que je trouve intéressantes. Jean-Bernard. Il ne faut pas avoir peur du changement, c'est tout. Alors toi, mon bonhomme, je ne te lâcherai pas. Jean-Bernard, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. C'est toi, Christine. J'ai déjà 2 ou 3 gars qui m'ont claqué dans les pattes, tout ça parce que j'ai pas su agir au bon moment. Et ça, c'est une pensée qui me fait mal. Mal à un point que tu ne peux pas imaginer. Alors tu vas te battre, Frédéric. Tu m'entends? Tu vas te battre. Le syndicat sera là, je serai là, tu n'es plus seul, Frédéric. Moi aussi, je serai là. C'est pas suffisant. La plupart des gars sont mariés et ça ne les empêche pas de se suicider. Jean-Bernard, dis pas les choses si brutalement. Mais c'est la vérité. Mais c'est horrible. Mais tout ce que tu dis est horrible. Mes allocations arrivent à leur terme. J'ai été à toutes les réunions de reclassement. On n'a plus que son salaire, hein, pour nous maintenir la tête hors de l'eau. Et là, maintenant, je t'écoute et j'apprends que j'aurais même pas de quoi payer les obsèques. Donc, Frédéric, je sais pas si tu te rends compte de la situation. Ça va très mal, Frédéric. Mais dis quelque chose, Frédéric. Frédéric, dis quelque chose à Jean-Bernard. Je suis ton ami. Tu peux parler, Frédéric. Puisque t'es mon ami, alors tu vas me comprendre. Parle, je t'écoute. J'avais des muscles qui ne fonctionnaient plus
et qui se remettent à marcher. Informaticien, je ne bougeais que les doigts des mains. Maintenant, c'est mon corps tout entier que je mets à contribution. Je redécouvre mon corps. Et ça, je crois que je pourrais pas m'en passer. Qu'est-ce que c'est la dignité? C'est de savoir qu'il y a une ligne rouge et qu'on la franchira jamais. Tu m'entends? Jamais. La ligne rouge, voilà, c'est ça. Jamais, tu m'entends? Jamais. Plus tu t'en approches, plus ta dignité diminue. Alors la ligne rouge, il faut la tenir le plus loin possible de soi. Mais, Jean-Bernard, est-ce que tu peux me dire où tu veux en venir? Ta dignité, elle est où, Frédéric? Elle est où, ta dignité? Dans les poubelles. Non, mais il n'y a pas de honte à vider les poubelles. C'est très utile de vider les poubelles. Ah oui? Et tu fais quoi après? Tu te lances dans le recyclage? Tu rafistoles les cartons pour les revendre? Jean-Bernard, tout ce que tu dis est exagéré. Ah oui, c'est exagéré. Parce que tu crois qu'on va supporter la situation encore longtemps, hein? Tous ces pauvres gars licenciés comme des malpropres alors que les entreprises font des milliards de bénéfices. Hein, et ces patrons qui gagnent 300 fois le SMIC. Hein, et tous ces médias là qui nous bourrent le mou pour nous faire croire que bah, c'est pas possible autrement. Ouais, bah, ils se sont seulement donné la peine de naître. Hein. Nous, c'est le contraire. Regarde, Christine, tu crois qu'elle a pesé lourd face aux Hongrois? Ça n'a pas pesé lourd, Christine. La ligne rouge, ça fait longtemps qu'elle l'a franchie, Christine. Elle est cuite. Christine, allez mûre pour la première secte qui viendra sonner à la porte. Jean-Bernard. Je dis ce que je pense. Maintenant, mais là, Jean-Bernard, la ligne rouge, c'est toi qui viens de la franchir. Regarde dans quel état tu l'as mis. Excuse-moi, Christine. C'est parce que je suis énervé, voilà. Ça fait des années que je me bats contre les licenciements, moi. N'as-tu pas ça, Jean-Bernard? Merci, merci beaucoup, Jean-Bernard. Tu peux t'en aller maintenant, Jean-Bernard. Moi, j'ai l'impression que tout ça, ça sert à rien et que je me bats contre des moulins. Non, ne dis pas ça, Jean-Bernard. Sors, Jean-Bernard. Excuse-moi, Christine, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Eh bien, le mal est fait. Sors maintenant. Eh ben, tu penses bien à ce que je t'ai dit, Frédéric, d'accord? Et tout ce que tu m'as dit était exagéré. La dignité, Frédéric, la dignité. Qui vous angoissait? Mais il m'angoisse tellement que j'en ai pas dormi. Je suis là pour vous aider. Merci, docteur. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Merci, docteur. Où est-il? Mais qui ça? Bah, votre mari. Parti travailler. Je n'aurais pas pu s'empêcher de sourire avant de fermer la porte. Docteur, je crois qu'il est en train de devenir fou. Permettez-moi de faire attention, Christine. Attention à vous. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose de grave. Il m'arrive quelque chose de grave? Je peux tout entendre. Vous m'avez appelé par mon prénom, vous vous en êtes rendu compte. C'est pas ce qui m'a appelé. Vous voulez que je parte? Non. Christine. Ne pas vouloir que vous partiez ne veut pas dire que je vous autorise à m'appeler par mon prénom. Pardon. Vous me regardez avec un air bizarre. Je m'oblige à vous regarder, c'est pour ça. Quoi, mais vous, là, vous faites plus que me regarder, vous me fixez. Mais ça fait des mois que nous voyons dans mon cabinet. Et aujourd'hui, vous me demandez de venir chez vous. Moi, je me dis que ça vaut la peine. Ça va vous fixer. Non, mais c'est pas tant que je vous invite chez moi. C'est que j'ai pas la force de me rendre au cabinet. Oh, non, mais peu importe, ce n'est pas un jour comme les autres. Vous me demandez de venir chez vous,
Votre mari n'est pas là et moi, j'attends ce moment depuis que nous nous sommes rencontrés. Ce jour-là m'est arrivé et c'est maintenant qu'il est. Je ne laisserai pas pareil, passer pareille occasion. Je suis prêt, c'est maintenant. Moi aussi, le mari de ne pas dormir la nuit, c'est uniquement à cause de... J'ai su que j'allais venir, j'ai cru que j'allais exploser. Au cabinet, vous ouvrez à peine la bouche, et là, vous êtes un vrai moulin. Alors ? Alors quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous le savez très bien. Nos regards échangés en silence dans mon cabinet me laissent tout espérer. Car enfin, vous ne parliez pas beaucoup non plus, excepté de cette entreprise qui vous a sauvagement licencié. J'étais impressionnée. Par moi ? Non. Je suis impressionnée chaque fois que je me rends dans un cabinet médical. Christine, si vous êtes chez vous, vous n'êtes pas impressionnée. Non, mais là, c'est vous qui me mettez dans l'embarras. Christine, vous êtes chez vous, c'est moi. Vous êtes impressionnée, pas vous. Mais vous ne l'êtes pas. Non. L'intérieur est si accueillant. C'est tellement chaleureux chez vous. Le cabinet, c'est plus froid. Christine, je suis à vous. Moi aussi, je suis à vous. Ça vous a vu tous les deux. C'est important d'avoir des points communs. C'est vrai, chez Prodex, j'avais une collègue. Elle était née le même jour. Non. Vous m'avez suffisamment parlé de Prodex. Moi, j'ai l'impression d'y avoir travaillé moi-même. La vie des camarades à l'atelier n'a plus de secret pour moi. Parlons plutôt de nous, Christine. Je comprends que je suis très sérieux. Vous me fixez toujours là. Parce que je suis très sérieux. Vous vous rendez pas compte de à qui vous vous adressez? Ah, mais je m'en rends très bien compte. Je suis plus une femme. Ah bon? Vous êtes quoi? Un légume. Et c'est pas en répétant mon prénom à tout bout de champ que vous arriverez à quelque chose. Je vais tomber. Dans mes bras? Vous flirtez avec un légume. Dites-moi ce que vous voulez. Je veux ce que vous avez de plus fort, question. Décontractant et quelque chose pour me remonter le moral. Oui, compris. Vous prenez déjà les remontants les plus forts, je vais m'en guérir des nouveautés. Je me sens capable de tellement de choses. Je suis capable de tout. Je pourrais même vous étonner. Si je vous ai fait, Christine, est-ce que vous me verrez de façon plus à l'aise? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donnez-moi d'abord ce que je veux, docteur. Je vais vous fournir gratuitement. Vous ne paierez plus les consultations et ça commence aujourd'hui. L'attention vous va souvent, le souvent possible. Appelez-moi Fabrice. Fabrice. Tout ce que vous voulez. Fournissez-moi, Fabrice. Je veux que vous me fournissiez. Vous fournirez, vous étonner. Alors l'attention, vous allez voir. Parce que moi, quand je me mets, je ne fais pas les choses à moitié. Vous fournirez, vous étonner. Moi, je vous dis que c'est parti. Parfait. D'une agression, Bon, moi je sortais prendre l'air, il est passé devant en trombe. J'ai vu la porte, je me suis dit, mais il se passe quelque chose chez Christine. Bah non, il se passe rien. Ah bah tant pis. Alors, ça va? Ça va, mais tu pourrais sonner, Franck. Tu sais d'où ça vient l'expression, ça va? Je m'en moque complètement. Au Moyen-Âge, les docteurs demandaient comment allez-vous à la Seine. Non, mais alors, si le mal. Je la connais, merci. Allez, au revoir. Attends. Hey, j'ai pensé à toi, j'ai cherché des blagues sur le travail. Non, merci, Franck, sans façon. L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, ça le fatigue. Seul, la prochaine fois. Le travail, c'est une maladie. Sur un mur, j'ai lu médecine du travail. Elle est bien aussi. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Faux. Prenez-les du goût alors. Tu peux sortir, Franck. Bon, si tu m'appelles, si tu as besoin de quelque chose, blague ou autre. D'accord. L'important,
force est de ne pas se laisser aller. Tu as raison, au revoir. Tu ne peux pas savoir comme les gens souffrent de ne pas être écoutés. Oh, c'est la faute de personne. C'est notre monde moderne devenu fou. Il suffit parfois de quelques mots. Tu n'es pas obligée, Jacqueline. Rien ne t'empêche de le faire, Bertrand. Mais le plus souvent, je n'ai qu'à me taire et écouter. Là, aujourd'hui, personne n'a le temps pour ça. Chacun est dans son monde. Bon, tu voudrais pas changer de disque. Ah, pardonne-moi, mon cœur. Non, mais depuis que tu es rentré, j'ai pas pu en placer une. J'écoute tellement les uns et les autres chez Sodecom que j'ai plus la force d'écouter personne après. T'as encore la force d'écouter quelqu'un. Et qui ça? Toi-même. Tu t'écoutes beaucoup, je trouve. C'est vrai. Je ne m'écoutais pas jusqu'à présent. Je n'écoutais pas mon corps. Et maintenant, mon corps me parle. Et je l'écoute. On est mariés sous quel régime? Sous le régime de la communauté des biens. Comment s'appelle ton père? André. Ta mère? Suzanne. Combien j'ai de toi? Oh non, ma cœur, c'est absurde. Combien j'ai de toi? Mais tu ne me montres pas, comment veux-tu que je devine? Combien j'ai de toi en toi? Ah non, là, c'est vraiment absurde. Tu sais pas combien j'ai de toi? Ben si, bien sûr, je sais, les doigts des mains et des pieds. Non, seulement des mains. Réponds à la question sans réfléchir. Attends une question. Tu vois une différence? Et de quelle différence veux-tu parler? Entre le nombre de doigts, des mains et des pieds. Réponds à la question sans réfléchir. Mon cœur, tu devrais aller te reposer, là. Alors, tu peux pas répondre? Mais c'est le même nombre, il n'y a pas de différence. Alors, combien j'ai de toi? En tout? Non, seulement, moi. À 10. Voilà. T'es contente. La question des doigts n'était pas claire. Qui c'est? Je sais pas, moi. Franck, il est venu me raconter des histoires drôles. Encore? Bah, il cherchait à me remonter le moral. Lui, au moins, il le sait. Oh, mon cœur. Et alors, vous livrez encore à 7 heures? Ah, il le faut bien, vous savez, un laborantin, c'est très mal payé. Bonsoir, madame. Bonsoir, docteur. Non, laborantin. Et combien est-ce que je vous dois? Ah, rien. C'est gratuit. Je veux dire, c'est déjà réglé. Et la sécurité sociale rembourse une partie, la mutuelle le reste. Le système est très bien fait. Oui, d'accord, mais pour la livraison? Gratuit aussi. Je livre gratuitement. Je ne veux pas rester laborantin toute ma vie. Je n'ai plus l'âge d'être laborantin, mais je suis laborantin quand même. Je livre pour me faire bien voir. Le médecin qui m'emploie pour les livraisons. Ah bon? Pourquoi? Pour qu'il me pistonne. Afin que j'entre dans un plus grand laboratoire. Aujourd'hui, je végète dans un laboratoire minuscule. Tu te rends compte à quoi en sont réduits les gens? Tout à fait. Ils livrent gratuitement après sa journée de travail. Et si je livre gratuitement, je peux espérer qu'il me pistonne. Moi, je l'aurais bien aimé. Et vous dites ça comme ça? Ah, je n'en suis pas fier. Et j'avoue que c'est difficile de croiser mon regard dans un miroir. Mais comme vous le savez, le travail est une jungle où seuls les plus forts survivront. Tu te rends compte? J'ai failli me retrouver licencié à plusieurs reprises. Je ne me garde que parce que je livre les médicaments sans faire d'histoire. Et bien sûr, vous en souffrez. Ah, je ne suis qu'un modeste laborantin. Je dois attendre mon tour en attendant que la roue tourne et parfois, évidemment, c'est dur. Vous pouvez me parler si vous voulez. Pourquoi voulez-vous que je vous parle? De ce que vous endurez dans votre laboratoire minuscule, je me ferai un plaisir de vous écouter. Si madame veut bien m'écouter, je pense être en mesure de l'informer. Ce qui se passe dans le monde pharmaceutique, la pauvre laborantin perdue. On entend tellement de choses. Non mais les médicaments et c'est tout. Non mais allez hop, bon, non mais c'est quoi ça? Non mais débarquer comme ça chez
Je sais. Les médocs, vous dehors. Savez, personne ne va bien en étant licencié. Allez, hop, Proust. Tu es dur. Je trouve que tu es dur. Voilà un homme qui est visiblement à bout. Il attend qu'une chose, une oreille à tant soit peu compatissante, et toi, tu veux même pas l'écouter. Médicament. Bon. Bah tiens, il y a des animaux dessinés sur la boîte. Tu trouves pas ça bizarre? Non, Doc. Moi, je trouve ça quand même étonnant. Mon docteur sait très bien ce qu'il fait. Ah bah tiens, parlons-en de ton docteur. J'ai bien l'intention d'aller le voir. Tu feras pas ça? Mais si. Tu ne viendras pas le voir. Mais il force ce laborantin à faire des livraisons après ses journées de travail en lui faisant miroiter un poste. Pour en arriver là, il doit avoir de sérieux problèmes que je me ferai un plaisir d'écouter. Tu n'écouteras pas. De sérieux problèmes. Non, tu n'écouteras que les employés de Sodecom. Enfin, Christine, t'as bien entendu ce que disait ce laborantin? Mais qu'importe ce que disait ce laborantin. Tu le connais, ce laborantin? Moi, je ne le connais pas, ce laborantin. Hein? Et il peut dire n'importe quoi, ce laborantin. Et puis même si c'est un laborantin, est-ce une raison pour croire ce qu'il dit? Ça veut dire quoi, d'abord, un laborantin? Moi, j'aime pas les laborantins. Blague? Oh non, merci, Franck. Quand je t'appelle, je te jure, je t'appellerai si je te le crois. C'est pas moi. Quoi? Je vais aller prendre une douche. Et te peser. Au téléphone. Maintenant, les gens appellent dans la journée. Alors, je donne le numéro de son bureau, chez son décor. C'est pas lui qui répond. Tu sais pourquoi? Mais parce que son bureau, il y met plus les pieds. Tu sais où il est? Dans le bureau des autres, en train d'écouter leurs problèmes. Non, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Je vois bien que tu n'en peux plus. Mais je tiendrai pas longtemps parce que j'en peux plus. Tu vas divorcer? J'ai été licenciée. Je vais pas divorcer en plus. J'en peux plus, c'est tout. J'ai pas la force de me lancer dans une procédure de divorce. Comment payer? Je serai expulsée. Expulsée. Moi, une ex-employée de chez Prodex. Et Frédéric, un ex-employé de chez Sodecom. Ils seront obligés de mendier dans la rue. Frédéric sera obligé de faire les poubelles. Je vais pas le supporter, je vais me suicider. Chez Prodex, tu voulais te suicider? En entendant parler hongrois, oui, oui, j'ai pensé au suicide. Peut-être qu'il y a des hongrois qui ont commencé à se suicider chez Prodex. Mais ça compte pas, les hongrois. Les hongrois peuvent se suicider quand ils veulent, hein. Chez Sodecom, ils se suicident. Frédéric est programmateur informatique. Ils sont en train de le programmer pour se suicider. Il prend l'escalier de service. Il sort les poubelles. J'en peux plus. Suicide. Mais ce serait plutôt à lui de le faire. Le travail, c'est ça, tout le monde comprendrait. Ce serait plutôt à Frédéric de se suicider. Je travaille plus, mais je vais me suicider quand même. Tant pis si personne ne comprend. Avec une assurance d'essai, là, ça vaut la peine.
L'assurance ne prend pas en compte les suicides. L'assurance ne prend pas en compte les suicides, mais elle prend en compte les accidents. Le suicide n'est pas un accident. S'il est prouvé que le suicide est lié au travail, alors il devient un accident. Depuis quand? Depuis pas longtemps. L'assurance décide que ce n'est pas un suicide. L'assurance pense que c'est un accident du travail. Frédéric va se suicider. Il a une assurance d'essai. Eh bien, ça ne sert à rien qu'il se suicide. Mais je veux pas qu'il se suicide, je m'en remettrai pas. Mais on s'en remet. Sinon, il y aurait des suicides à la chaîne. Un suicide en appellerait un autre et à la fin, il n'y aurait plus personne. Oh ben, tu me remontes le moral. Prodex m'a largué. L'entraîneur de l'équipe. Il m'a jeté comme une vieille cocotte. Ah non, moi, tu vois, les hommes, je crois que c'est terminé. Ils m'en ont trop fait voir. Cet entraîneur m'a transpercé le cœur. Le problème, j'ai un cœur d'artichaut. Alors je m'emballe, et puis plus rien. Il paraît que la plupart des couples se font au travail. Ah ben pour les autres, hein, pas pour moi. Pourtant, j'en ai connu des hommes en entreprise. Quand je pars travailler, j'ai l'impression d'aller faire le tapin. Une vraie pute. Et c'est comme ça qu'ils me voient tous. Si encore je savais dire non. Les hommes n'aiment pas les femmes avec trop d'expérience. Ça leur fait trop voir qu'ils ne sont pas les premiers. Il faudrait que j'apprenne à dire non. Au moins pendant 3 jours. Donc je fasse semblant de ne pas savoir comment fonctionne une braguette. Mais je ne sais pas attendre. À peine le type a commencé à parler, je lui ai déjà dit oui et j'ai baissé la braguette. C'est fini, c'est terminé. Merci pour tout, au revoir. Eh ben c'est fini. Je m'en parlerai plus. C'était trop mal. Maintenant, c'est le premier qui passe. Un vieux cardiaque. Les vieux aiment les femmes expérimentées. Parce qu'ils n'ont plus de temps à perdre. Mariage et funérailles. C'est mon objectif avec les hommes. Vieux et riches, cochons et cardiaques. Là, je le ferai claquer pendant notre cuisine d'os. Je peux le faire, j'en suis capable. Je suis bonne au lit. Tu peux pas savoir comme je suis bonne. Mortelle. Au revoir, Cathy. Je te laisse, maman. Il y a quelqu'un qui arrive à la maison. Au revoir, maman. Embrasse papa. Alors, ça va? Franck, tu pourrais sonner. J'étais sur le palier, je te dérange? Je sais pas, les sensations sont longues à me parvenir. Comment ça va? Si on te demande, tu diras que tu sais pas. Ça va pas. J'ai pas dormi. Ben moi non plus, pas dormi, pianoté. J'ai pas entendu. Sur mon ordinateur. Toute la nuit. Je suis un geek. Tu as du collier? Non. Chatté avec une Australienne. Me suis tapé toute l'histoire de l'Australie et fini par regarder un film australien.
Je me suis rendu compte qu'elle avait 8 ans. Ça faisait une heure qu'on discutait des kangourous. 12 heures de décalage. Elle n'avait pas école. Je comprends rien à ce que tu racontes. J'imaginais partir pour l'Australie. Surf, barbecue, bière, kangourou dans le jardin. Mais c'est des rêves, Franck. Je suis un no-life. Ah bon? Pas de vie. Les rêves, c'est tout. Comment va ta mère? Bien. Je vais aller dormir. Ouais, moi aussi. Blague? Non, Franck. Un homme rentre de sa journée épuisé, hein, et puis il décide d'aller se coucher directement parce qu'il est dans la rue. Qui c'est? Je ne sais pas. Ne criez pas. Franck, je suis là, Christine. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu croyais qu'elle était seule, c'est ça? Fais un pas dans la tarte et tu vas voir. Je te préviens que je fais du Krav Maga. Je ne frappe qu'une fois, mec. Qu'est-ce que c'est? Mais tu cherches quoi, là? Qu'est-ce que tu veux, mec? Alors quoi? Mais alors, bouge alors, allez, bon, allez, bouge, je vous permets pas! Ah, tu cherches là! Là, tu cherches! Recule, Christine! Ah, pied jeté! Je vais lui faire un pied jeté, c'est le truc mortel! Il va! Farasser dans les escaliers! Recule, Christine! Recule! C'est mon docteur! Ton médecin? Pourquoi tu cries comme ça si c'est ton médecin? Je veux pas qu'il entre! Entrez, docteur, j'ai cru qu'il s'agissait d'une agression. Je veux pas qu'il entre. Ah, attends, c'est ton médecin ou c'est pas ton médecin? C'est mon médecin, mais... Vous êtes pas peur? Mais bien sûr que je suis médecin. Ah, mais je vous reconnais. Vous m'êtes passé hier devant en trombe. Mais entrez, docteur. Qu'est-ce que vous voulez? Savoir comment vous vous portez. Je vais bien. Ah, excuse-moi, mais moi je pense que ça va pas. Je vais très bien. Nous sommes là, tranquilles, tous les deux. On passe un bon moment, qu'on va rien faire. Passer des bons moments, on décide d'aller se coucher et ça sonne à la porte. Excusez-moi. Vous êtes un voisin. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Je suis son voisin, c'est ma voisine. Et je lui rends visite. Mais pour quelle raison lui rendez-vous visite? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Oh, mais ça me fait beaucoup, plus que vous ne croyez. Vous devez être un bon toubib, vous, hein. Vous avez du souvenir? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Il me raconte des histoires. Je peux savoir quel genre d'histoire vous racontez? Des histoires du genre humoristique? J'en mets sur le docteur. Merci, c'est gentil, Franck. Ça se passe lors d'un séminaire médical. Ah, bon, écoutons l'histoire. Alors. Écoutez, au cours d'un des nombreux banquets, un médecin homme repère un médecin femme. Ils font connaissance et la femme accepte un rendez-vous pour un dîner au restaurant tête à tête. Au restaurant, avant de passer à votre table, elle s'excuse pour aller se laver les mains aux toilettes. Après le dîner, elle s'excuse à nouveau pour aller se laver les mains. La soirée se poursuit dans un marché de la ville. Et puis, l'homme médecin convainc la femme d'aller dans sa chambre. Merci. Écoutez, c'est pas fini. Avant d'aller se laisser à leur pulsion sexuelle, elle va se laver les mains encore une fois. Et ils y vont. Elle va se laver les mains encore une fois. Et lorsqu'il revient, le gars lui dit « Je parie que tu es chirurgien. » Alors la femme lui confirme que c'est vrai et lui demande comment il a fait pour s'en rendre compte. Alors le gars, fier, dit bah, « Tu es toujours en train de te laver les mains. » Bon, écoute. Alors la femme dit « Moi, je parie que tu es anesthésiste. » Le gars est étonné, répond, mais c'est vrai, comment tu as deviné? Alors elle, parce que je n'ai rien senti. Merci. Mais sur les toubibs, j'en ai plein. Hein. Allez, merci, au revoir. Qu'est-ce qui vous a pris? Non, mais vous, qu'est-ce qui vous a pris? Non, mais vous êtes qui? Qu'est-ce que c'est que ce voisin qui vous rend visite? Bah, c'est juste mon voisin qui me rend visite. Il raconte des histoires cochonnes. Oh, ça va, c'est bon, j'ai le droit d'écouter les histoires que je veux. En plus, il a les pupilles affreusement dilatées. C'est parce qu'il passe tout son temps sur son ordinateur. Ouais, ouais, bah, apparemment pas tout son temps, hein. Mais écoutez, je vais quand même pas l'empêcher de passer s'il en a envie. Bah, d'accord, évidemment, bien sûr, évidemment. Mais vous êtes jaloux. Bien sûr que je le suis. Si je comprends bien, votre voisin.
voisin passe vous rendre visite quand bon lui semble. Ah bon, j'ai quand même le droit de voir mon voisin. Oh, mais raconte des histoires salaces. Bah, et surtout, il y a des histoires. Bah, ça va, c'est bon, j'ai le droit d'écouter les histoires que je veux. Elle n'était pas cochonne, celle-là, peut-être. Ça va. Ouais. D'habitude, elles sont moins lestes. Ouais. Il a dû le faire exprès pour vous embêter. Pour moi, je me verrai comme un rival. Vous l'avez fixé. C'est très désagréable d'être regardé de cette façon. Vous l'avez appelé par son prénom. Oh, ça suffit maintenant, je ne peux plus discuter. Vous m'avez dit qu'il était gentil devant moi. Vous voulez me rendre fou, c'est ça? C'est ça. Vous êtes fou. Vous êtes complètement fou. Et d'abord, qu'est-ce qui vous a pris, tout à l'heure, de vous faire passer pour un laborantin? Ça, c'était pour vous surprendre. C'était simplement pour vous montrer que je peux faire des choses étonnantes. Mon mari était là. Je sais qu'il était là. Quel intérêt de passer devant... pour un laborantin devant vous seul, vous savez qui je suis, non? Moi, devant votre mari, moi, je vous montre simplement que je peux faire des choses étonnantes. Vous avez fait le laborantin pour m'étonner. C'est vous qui me l'avez demandé. C'est comme les dessins de chiens et de chats sur la boîte de médicaments, vous avez remarqué? Oui, c'est quoi ça encore? J'ai mis les antidépresseurs dans une boîte de vermifuge pour animaux domestiques. Ça vous a surprise? Ça a surpris mon mari. Oui, mais vous, ça vous a surprise? Ben non, j'étais encore sous le choc de votre apparition en laborantin. Alors c'est raté. Moi j'ai fait ça pour vous étonner, vous, pas votre mari. Je pensais même vous faire rire avec ce petit subterfuge. Sans doute, préférez-vous les histoires égrillardes que vous prodigue votre libidineux voisin? Oh, ouais, ça suffit maintenant avec lui, là, vous allez me rendre folle. Je ne supporte pas qu'un autre homme s'approche de vous. Parce qu'il s'approche souvent de moi, c'est pour vous savoir. Oui, c'est votre mari. Il s'approche de vous, mais pas une pensée spécialement agréable. Qui puis-je? C'est votre mari, moi je préfère m'approcher à sa place. Christine, je n'en peux plus. Non plus, j'en peux. Christine. Je suis à bout. Christine. Je suis à bout. Moi aussi. Moi aussi. Parfois, je vis tout seul. Je dis, il faut que je parte. Et pour aller où? Je parle tout le temps, je parle. Je parle, j'ai des accès, je transpire. Je dois prendre des douches. Et je ris sous la douche. Je peux rester des heures entières dans la salle de bain. J'énumère toutes sortes de listes. Des ordonnances, des médicaments. J'énumère le nom de mes patients et je les passe en boucle. J'éteins la lumière, j'allume la lumière. Ça peut durer des heures entières. Alors, on ne sait rien. J'avais par terre. Et je m'allonge dessus. Il n'y a que ça qui me calme. Christine, je n'en peux plus. Je crois que je vais me suicider. C'est une malade. Je ne sais pas. Je m'ausculte moi-même. Je suis mon propre médicat, surtout les médecins le sont. Je ne peux pas aller voir un autre médecin, ce serait la mort du cabinet. J'ai un vrai patient, je suis médecin, ce serait affreux. Je ne sais plus quoi faire. Puis je vous ai vu, si démunie depuis votre licenciement, détruite, anéantie, quasiment lobotomisée comme un lapin de laboratoire. Christine, vous savez tellement de choses. Vous êtes passé par là. Vous savez tout. Vous êtes mon seul remède. Vous me fixez toujours. J'attends un signe, peut-être imperceptible, mais je ne veux pas rater. Quand vous me fixez comme ça, moi je ne sais plus quoi dire. Bon, je me retourne. Alors? Alors quoi, qu'est-ce qu'il y a? On ne dit pas ce que vous voulez. Je voudrais quelque chose, mais c'est difficile à dire. Demandez-moi. Je vous demande... Christine ! Non, attendez, Christine. Non, c'est pas ça. Non, oh, Christine ! Non, je dois vous parler de quelque chose. Christine. Mais arrêtez ! Mais Christine, non. Enfin ! Je voudrais quelque chose. Mais quoi, enfin ? Qu'est-ce que vous voulez ? Une sorte d'ordonnance. Quoi ? C'est pas pour moi, c'est pour mon mari. Votre mari, donc, aller voir un autre médecin. Moi, pour lui, je ne suis qu'un simple laborantin. C'est de vous dont je veux. Christine, attendez, mais c'est pas possible, ça, je t'en prie. Christine.
quoi? Demandez-moi ce que vous voulez. Je suis fou, je suis complètement fou. Je ne peux pas résister. Demandez-moi ce que vous voulez, tant pis pour les conséquences. Quelle que soit la chose que je vous demanderai. Oui, quelle que soit. Je veux un certificat de décès. Je viens de ramener ton mari de chez Sodeco. Il était en train de ranger les poubelles sur le trottoir. On a discuté en chemin. Hein, Frédéric, on a discuté. Je vais prendre une douche. C'est ça. Mens sana in corpore sano, comme on dit chez Olivetti. Hein. C'est quoi le slogan d'Olivetti? Je dis n'importe quoi pour positiver. C'est grave, Christine. Quand je dis qu'on a parlé, bah, je parlais tout seul, lui ne disait rien. Et c'est étrange, mais quand tu parles et qu'on ne te répond pas, bah, tu finis par parler tout seul tout le temps. Frédéric va très mal, Jean-Bernard. Ah, qu'est-ce qu'il fait dire ça? Il a pris sa décision, j'en suis certaine. Pourquoi tu vois ça? Frédéric va se suicider. Là, maintenant? Non. Non, mais sa décision est prise, j'en suis sûre. Pourquoi tu vois ça? Toutes sortes de choses. Oui, mais quoi? Il prend des douches. Non, il a maigri. Ah, j'avais pas remarqué. Non, je t'assure, il a beaucoup maigri. Oui, enfin, c'est vrai que c'est un problème, mais bon, quoi d'autre encore? Il prend des douches. Des douches? Oui. Mais bon, ça, c'est les poubelles, quoi d'autre? Jean-Bernard, tu vas pas me forcer à raconter tout ce qui va pas parce que rien ne va plus. J'ai déjà l'impression de dormir à côté d'un cadavre. Un cadavre? Frédéric est déjà ailleurs, Jean-Bernard. Et il est où, Frédéric? De l'autre côté. De l'autre côté. Il a pris sa décision, j'en suis certaine. Et oh, dis donc, Christine, c'est grave. Hein? C'est sa décision, je vais l'accepter. Et oh, dis donc, Christine. Tu fais comme s'il était responsable. Il n'est pas responsable, Frédéric. C'est l'organisation du travail qui est responsable, pas lui. Hein? Tout ça est planifié, Christine. Les gens ne se foutent pas en l'air comme ça par hasard. Alors, on étudie la question de près, le syndicat. Les suicides sont résumés à des causes individuelles dont la responsabilité est systématiquement reportée sur les victimes. C'est l'organisation du travail qui est responsable pour le plus grand profit du capital financier. Alors, pression hiérarchique, but inatteignable, statut inégalitaire, personnel méprisé. Tiens, les salariés sont considérés comme des variables d'ajustement. Hein. C'est écrit noir sur blanc dans les papiers. Des variables d'ajustement, non mais tu te rends compte, hein, c'est une sorte de guerre, une sale guerre de l'homme contre l'homme. On doit se battre, c'est tout, pas le choix. Et c'est tous ensemble qu'on réussira à changer les choses dans ce pays, Christine. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. La situation s'arrange depuis que vous étudiez la question au syndicat? Non. L'homme est pourri jusqu'à l'os. On va droit derrière Cyril, Christine. Bon courage. J'entends pas la douche. Bon, ben j'y vais. Parti? Oui. Comment vas-tu, ma chérie? Et toi, comment ça va, les poubelles? On va bien, hein, je te remercie. Tant mieux. Non, mais il n'y a pas que les poubelles, il y a aussi les contacts humains. Je sais, tu m'as déjà tout expliqué. Et cette journée? L'exomile. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais je trouve que tu vas mieux ces derniers temps. Tu t'en rends compte? Non. Et si, je t'assure, tu vas mieux. Peut-être que tu as fini par t'habituer. Mais à quoi me serais-je habitué d'après toi? À me voir dans cet état. Comme ça, tu ne seras pas étonné quand tu rentreras du travail que tu me trouveras étendue sur le sol, morte. Ben ça, tu sais bien que je ne le supporterai pas. Tu pourras te mettre avec les boueuses de ton choix, je ne serai plus là pour te gêner. Donc, j'ai pris ma décision, Frédéric. Quelle
siège du Cisium. Je ne peux plus continuer, Frédéric. Je suis allée le plus loin possible. Mon petit cœur. C'est fini, Frédéric. Cœur. Terminé. Mon cœur adoré. N'insiste pas, disons-moi adieu. Christine. Christine. Mais qu'est-ce que je vais faire sans toi? C'est pas possible. Ma vie sans toi. Ne parle pas comme ça, Christine, non. C'est trop affreux, parce que je t'aime, moi, Christine. Il n'y a que toi au monde. Tu es le monde, Christine. Alors si tu me quittes, je quitterai tout, moi aussi. Tu es toute ma vie. Que serais-tu capable de faire pour moi, Frédéric? Tout. Je ferai tout. Alors il y a peut-être un moyen de tout arranger. Je ferai tout. Moi, je vais aller prendre une douche. C'est agréable. Licencié, mais pour quelle raison? Aucune idée. J'étais avec mon chef des livraisons. Le DRH entre, il dit « Bon, ça suffit maintenant, vous êtes viré. » Et il est ressorti, comme ça. J'ai même pas eu le temps de lui expliquer que je cherchais un trombone. Un trombone? Vous êtes viré. Tu te rends compte, ce monde dans lequel on vit? T'étais où quand il est entré? C'est viré. Tu peux juste prendre tes clics et tes claques et t'en aller. Je ne suis pas revenue. Ils peuvent tout se permettre. Tout. T'étais où quand il est entré? Sous le bureau. Et le chef des livraisons? Monsieur, assis derrière son bureau. Je sais ce que tu penses, mais ce n'est pas ce que tu crois. Les apparences sont contre moi. Je suis victime d'un licenciement abusif. Aller au prud'homme. Bon. Le plus dur sera d'obtenir des témoignages de moralité en ma faveur. Bon, la direction, quant à elle, n'aura aucun mal à fournir des témoignages contre moi. Je vais aller au prud'homme. Espérons que les hommes ne soient pas prudes au prud'homme. Les hommes, les hommes. Le monde est pour eux. Alors, ils ont des besoins parce que ce sont des hommes. Personne ne dit rien, hein, tout le monde trouve ça normal. Est-ce que tout le monde sait que l'homme a des besoins? C'est normal, les besoins. Quand on est un homme, est-ce que nous, les femmes, on satisfait les besoins, on répond aux besoins, on ne fait pas d'histoire, hein, on dit merci. Eh bien, l'homme, il est comme ça. Il fait tourner la machine. Il en veut toujours plus. Toujours. La secrétaire est dans tous les corridors. Ah, me revoilà sur le marché du travail. Étalage, viande. Goûtez-moi ça. Y a-t-il des hommes ici? Essayez-moi, je suis une affaire. Je satisfais tous les besoins. On se retrouve toutes les deux sans travail. Au moins, tu as Frédéric. Non, Frédéric. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va être licencié. T'as vu comment il est parti prendre sa douche? Oui. Frédéric va très, très mal. Qu'est-ce qu'il a? Il va très, 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 très mal. Très, 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 très mal.
que les acteurs ont fait un peu de son vie. On ne peut pas dire que la vie sera épargnée. Non, ça, on ne peut pas dire. Puis, juste après ton licenciement, en plus. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver encore? Il ne faut pas savoir. Mais ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Comment? Quand on y pense. Oui, je cherche. Ne t'occupe pas de moi, ça va très bien. Oh, il s'occupe très bien tout seul. Quand il a besoin, il demande. Tout va très bien. Je suis mariée avec ton père depuis 40 ans. Il a toujours fait ce qu'il a voulu. C'est pas vrai, Georges? Pardon, tu disais? Je disais que tu as toujours fait ce que tu as voulu. À quel propos? Dans la vie, depuis qu'on s'est mariés. Oui, tout ce que je voulais. 40 ans que ça dure, nous avons eu la chance, hein, Georges? C'est pas fini. Quand j'ai rencontré ton père, il m'allait pas bien du tout. Et puis les choses se sont arrangées. Grâce à toi, c'est moi qui ai eu la chance de te rencontrer. Oh, mais tu entends, c'est merveilleux. 40 ans. 40 ans de bonheur. Tu sais, le mariage, hein, c'est pas facile. Hein. C'est une question de chance. Hein. Georges? Georges, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'était mal vissé, voilà, c'est réparé maintenant. Ton père ne supporte pas de rester inactif. Voilà, comme neuf. Ton père, il faut toujours qu'il trouve quelque chose à faire. C'en est parfois fatigant de le voir s'agiter. Georges, arrête de t'agiter comme ça dans tous les sens. Tu as besoin de quelque chose, mais dis-le si tu as besoin de quelque chose. Non, ça va. Mais alors tu n'es pas obligé de regarder, de bouger dans tous les sens. Regarde. Tu pourrais rester tranquille un petit peu, tu as trois ans. Ne t'occupe pas de moi, je suis tranquille. Pourquoi tu viens pas t'asseoir avec nous, papa? Ne vous occupez pas de moi, je regarde, c'est tout. Il n'en fait qu'à sa tête. Tu as du mérite, maman. Oh, je ne vais pas me plaindre. Hein. Il est là, ça fait 40 ans. Tout à fait. 40 ans de bonheur. Ton père est un parangon de fidélité. J'ai toujours pu compter sur lui. C'est son travail, maman. Son travail. Bien sûr. Son travail. Son travail. Ton père faisait un métier très dur. La métallurgie, c'était très dur. Ton père a fait les 3-8 pendant des années. Ton père s'est abîmé la santé pour que nous ne manquions de rien. Georges, je suis tellement fière de toi. C'était dur. C'était dur. Oh, c'est merveilleux ce que nous avons réussi à construire pendant toutes ces années. Parce que 40 ans, c'est difficile. Et la vie est une difficile. C'est une saloperie. Il faudrait peut-être que vous songiez à rentrer. La lumière baisse. Là, je ne voudrais pas qu'il vous arrive un accident. Il ne manquerait plus que ça. Georges, tu entends? Quoi? Ta fille a peur que nous ayons un accident sur la route. Ah oui. Ses parents décédés sur la route après le suicide de son mari. Ça serait le fronton. Exactement le fronton. Licencié, veuve et pour finir en folie tout en même temps. Ça serait la fin des haricots. La fin des haricots. Tu vois, ton père ne se laisse jamais abattre, même dans les moments difficiles, et trouve le mot pour rire. Ce serait la cabane qui tombe sur l'homme. Même dans les moments difficiles, ton père trouvait le bon mot. Nous avons passé notre vie à trouver les bons mots pour traverser les moments difficiles. Quand on va à la ruche. Oh, ça ne voulait rien dire. Mais oui, quand même, Georges. Et c'est là qu'on riait le plus. Oui. Oh, Georges. Bon, la nuit tombe. Nous allons partir, hein, Georges. Je ne vous chasse pas, hein. Vous pouvez rester si vous voulez. Oui. Georges, allez, on y va. Tellement pas dur la nuit, maman. Bon, Georges. Ben. Au revoir, ma chérie. Au revoir, papa. Et puis, si
si tu as besoin de quelque chose, tu nous appelles. Mais je vous appelle, vous inquiétez pas. Merci d'être venu, ça me fait du bien de savoir que vous êtes là. Allez, Georges, on y va. Qu'est-ce qu'il fabrique encore? Il faudrait repeindre le mur. Oh, mais tu vois comment il est. Là, oui. Il voit tout de suite ce qui ne va pas. Il n'a plus qu'une idée en tête de le réparer. Georges, on y va. T'as même dit de m'appeler pour me dire quand tu veux passer, papa. Il commence à décrépir. Alors, quand Frédéric était là, il n'osait rien dire, mais maintenant, il est content de se rendre utile. Georges, tu feras ça une autre fois, on y va. Si tu as besoin de quelque chose, tu appelles. Je lui ai déjà dit. Georges, je suis dans l'ascenseur, je vais bientôt arriver sur le parking, je vais prendre la voiture, dépêche-toi si tu ne veux pas en papier. Je suis dans l'ascenseur, j'arrive. Je démarre la voiture, Georges, dépêche-toi. Je suis dans le parking, je marche vers la voiture. Oh, dépêche-toi, Georges. Voilà, je suis là, démarre. Pire. Et cocotte. Non, mais alors là, Georges, tu vois, ça, ce n'est pas possible. C'est toi qui as commencé. Tu sais très bien que j'ai horreur de ce genre de familiarité. Est-ce que tu le sais, Georges, oui ou non? Enfin, papa, tu sais très bien que maman a horreur de la vulgarité. Tu n'es pas au bistrot en train de te payer une bonne tranche de rigolade avec tes copains, Georges. Regarde-moi. Ce que tu viens de dire est absolument hors de propos. Ça ne doit pas se reproduire, tu entends? Non, jamais. Tu n'es pas dans les allées de la fête à Neuneux en quête d'aventure facile, Georges. Non. Où est-ce que tu es, Georges? Chez Christine. Et chez ta fille. Et que lui arrive-t-il à ta fille? Son mari est mort. Frédéric s'est suicidé. Et est-ce que tu crois que c'est le moment de plaisanter? Ah ben non. Ah ben non, c'est pas le moment de plaisanter. Oh, on y va. On y va quand je veux, Georges. Ça ne changera jamais. Malgré tous mes efforts, mon acharnement, tout mon amour. Il restait ce manuel plein de lourdeur, cette matière que tu soumettais au feu, cet acier, cette fourbéance, cette bouche obscène que tu regardais comme ton unique, ta seule raison d'exister. Serviteur du Moloch, Georges. Et ton jardin, ensuite la terre. Quand tu as pris ta retraite, ton jardin que tu aimais particulièrement quand il n'avait plus. Non pas parce que ça fait du bien aux fleurs, il n'aime pas les fleurs. Et alors, piétiner dans la boue, cette lourdeur accrochée à tes chaussures et qui faisait ta joie. Oh, Georges, toute ma vie, j'ai cherché à t'élever. Tu n'es resté attiré que par le bas, le sale, le métal, la terre. Songer à rentrer, là, la lumière baisse à vue d'œil. Ne vois rentrer tant qu'on voit quelque chose. Allez, Georges. Au revoir. Au revoir. Merci d'être venu. Ça me fait du bien de savoir que vous êtes là. Au revoir. Merci. Rentrez bien. Au revoir. Jamais. Oh, moi non plus. Mais ta mère, ta mère. Je sais. Et ton père, mon Dieu, ton père. Mais il arrêtait pas de fouiller partout. J'ai cru qu'elle allait ouvrir le placard. Et j'avais la main sur la poignée. Oh, mais ta mère, Christine. Je sais. Mon Dieu, ta mère. Je sais. Alors, une chose d'abord. Pourquoi le placard? Non, Christine, je te le demande sérieusement. Pourquoi le placard? Pourquoi pas la chambre? Je pourrais aller dans la chambre. Ce serait plus confortable. Et surtout, je ne serais pas obligé d'entendre les conversations. Rends-toi compte si quelqu'un voulait aller dans la chambre. Et qui voudrait aller dans la chambre à part toi? Ma mère pourrait très bien décider d'aller dans la chambre. Oh, ta mère, Christine, ta mère. Je sais. Non, mais pourquoi pas la chambre? T'empêchera ta mère d'entrer.
après mon père, de très bien avoir envie d'aller dans la chambre pour voir s'il y a quelque chose à réparer. Alors t'imagines, je serais en train d'empêcher ma mère d'aller dans la chambre et toi, tu te retrouverais nez à nez avec mon père. Ton père, qui est content maintenant que je suis plus là. Il y a des mots que je préférerais ne pas entendre. On n'écoute pas, c'est tout. Ah oui, mais l'ennui, c'est que je peux pas faire autrement. T'as qu'à bouger les oreilles. Ah oui, voilà, dans le noir, oreille bouchée et sans dire un mot. Bah, pourquoi pas m'enterrer tout de suite, hein. C'est plus un placard, c'est un cercueil. Oh, alors évidemment, si tu penses à ça... Mais bien sûr que j'y pense. Des pensées m'assaillent, figure-toi, dans le placard, et je peux même pas les chasser d'un revers de la main, de peur de faire tomber quelque chose. Ah non, non, Frédéric, tiens-toi tranquille, hein. Je fais tout mon possible pour que ça ne dure pas longtemps. Avec ta mère, ça n'a pas duré longtemps, peut-être. Mais c'est ma mère, je peux quand même pas la mettre dehors, Frédéric. Ah oui, mais tu lui as quand même proposé de passer la nuit ici. Non, mais je savais bien qu'elle dirait non. Il suffit que je lui propose quelque chose pour qu'elle veuille le contraire. Et t'as invité ton père à repeindre le mur. Tu sais combien de temps ça prend de repeindre un mur? Alors, comme il est, ça va bien lui prendre la semaine. Hé, hey, Christine, je vais pas passer une semaine dans le placard, moi. Mais bien sûr que non. Enfin, Christine, le placard, le placard! Mais c'est le meilleur endroit. Personne n'a envie d'aller dans un placard. Ah bah non, personne. À commencer par moi. J'ai pas plus envie que les autres d'y aller dans ton placard. Écoute, Frédéric, je t'en supplie, puisque cette situation va pas durer toujours. Elle va durer combien de temps, la disparition? C'est une des questions que je me pose dans le placard. Je sais pas si je vais pouvoir continuer à faire le mort bien longtemps, moi. Frédéric, si tu crois que c'est pas assez dur comme ça, hein, tu te rends pas compte de ce que je suis obligée de faire pour nous. Toi, t'as pas à mentir à tout le monde. Toi, t'as juste à attendre dans le placard, alors que moi, je dois me débrouiller toute seule avec tous les autres. Et en plus, tu me fais des reproches. Mais je te fais pas de reproches, mon cœur. Tu fais que ça, Frédéric. C'est juste qu'il est difficile d'être mort et d'entendre les conversations. Puisque je te dis que ça va pas durer longtemps. Le monsieur des assurances va venir. Oh, écoute, Frédéric, tu pourrais m'aider un peu plus que tu ne le fais. Je me sens pas soutenue. Mais comment veux-tu que je t'aide dans le placard? Alors, évidemment, dès qu'il s'agit de faire un effort pour moi, non mais, je me sens très seule. Je me sens très seule, Frédéric. Je me suis jamais sentie aussi seule de toute ma vie. Mon cœur. Ton cœur, il en a gros sur la patate. Oh, pardon, mon cœur! Songe quand même. Je suis en deuil. Oh, je te demande pardon. Tu dois m'aider, Frédéric. Sinon, on s'en sortira pas. Pardon, pardon! Tu seras sage. Oui. Tu me le promets? Je ferai plus d'histoires, sois rassuré. Je peux te faire confiance? Allez, c'est bon. Oh, pardon, mon cœur, je pense qu'à moi. Tu t'en rends compte? Bah oui. Allez, ça va. Vite. Ah non, mais qui c'est? Je sais pas, dans le placard, entre. Ah oui, mais c'est quand même très pénible, hein, tout ça. J'arrive pas à dormir. Moi non plus. Frédéric est mort. Oui. Il s'est suicidé. Je sais. C'était mon pote. C'est affreux. Mon pote Frédéric. Il n'y a pas de mots, Jean-Bernard. C'était mon meilleur pote. C'est vrai. Mon pote. Bien sûr. Mon pote Frédéric. Je comprends, Jean-Bernard. C'était mon vrai pote. Je comprends pas, j'étais là. Qu'est-ce que tu racontes, Jean-Bernard? Tu es complètement ivre. Je peux voir ma gueule dans un miroir. Frédéric est mort, il s'est suicidé. C'est affreux. J'aurais pu faire quelque chose, aller lui parler dans la salle de bain.
repasse dans la tête, ça tourne et ça veut pas sortir. Ça ressortira en dormant, Jean-Bernard, il n'y a que comme ça que ça ressort. C'était là, je vais le ramener du trottoir de Sodécone. Qu'est-ce que t'as pu, Jean-Bernard, faut plus y penser, là. Tu m'avais prévenu. Tu m'avais dit qu'il allait le faire. Oui, je t'avais prévenu, ça sert à rien d'en reparler, Jean-Bernard. Tu m'avais pas prévenu, si. Tu m'avais pas dit qu'il allait le faire. Si, je t'avais prévenu. Mais ça sert à rien d'y repenser, Jean-Bernard. Il est allé prendre une douche. Et c'est arrivé, voilà, n'y pense pas. Tu veux voir la douche ? Non ! Tu m'avais prévenu. Tu m'avais dit qu'il allait se suicider. Et je suis parti. Tiens, je suis une salope, une vraie pute, je suis pire qu'un jaune. Bon, écoute, ça suffit, Jean-Bernard, tu reviendras quand t'auras dessoulé. Hein ? Donne-moi un seau. Un seau ? Je vais vomir. Ah non, 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 va venir dehors, Jean-Bernard, j'ai pas de seau. Non, ça va, c'est... C'est pas assez dur ce que je vis en ce moment, j'ai pas besoin de soucis supplémentaires. Je vais m'occuper de toi, Christine. Tu t'occuperas de moi demain. Je vais prendre soin de toi, fais-moi confiance. Tu prendras soin de moi demain. Mais tout ce qui t'arrive, c'est de ma faute. Va te coucher, Jean-Bernard. Le mieux se mettre ensemble. Tout à fait. Je te laisserai pas tomber, Christine. J'ai mon travail. Tu n'as plus de soucis à te faire. J'ai réfléchi, Christine. Mais attends, Jean-Bernard. Allons dans la chambre. Tout à fait. Christine. Non, mais attends, arrête, Jean-Bernard. Je vais prendre soin de toi. Tu vas prendre soin de moi, Christine. Non, Jean-Bernard. Oh, Christine, tu vas m'aimer. Et moi, je t'aimerai aussi. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Il y a un bruit. Jean-Bernard, tu es complètement sourd, tu entends même des bruits. Ah, mais c'était un gros bruit. Jean-Bernard, il faut te calmer. Un gros boum. Il faut même que tu arrêtes de boire. Hein. Tu vas t'occuper de moi, et moi je vais m'occuper de toi. Tu vas voir comme je vais t'aimer, et tu m'aimeras aussi. Il y a encore eu ce bruit. À chaque fois que je dis que je t'aime, j'entends un boum. C'est dans ta tête, Jean-Bernard. Ah, c'est parce que je t'aime que ça fait boum dans ma tête. Oui, stop. Il a rien dit, hein. Non. C'est la première fois que ça m'arrive un truc pareil, hein. Jean-Bernard, il ne sait pas ce que c'est. Tais-toi, Christine, une seconde. Je t'aime, Christine. Non, oh, Christine, vas-y, on vient là, Christine. Je savais pas que je t'aimais, Christine. Oh, Christine, ça vit. Ça me fait des vibrations. Tu sens les vibrations? Non, je sens rien, Jean-Bernard. Je vais vomir, faut que je m'allonge. Non, allonge-toi là, Jean-Bernard. Ça vibre. Oh, Christine, il y a quelque chose entre nous, c'est pas possible autrement. Oui, bah c'est moi la chose entre vous. Putain, je t'en supplie, retourne dans le placard, t'es fou. C'est pas le mari qui va dans le placard, c'est l'amant. Et là, ton amant, il est allongé par terre. C'est pas mon amant, c'est Jean-Bernard. Eh bah, ben, il peut bien s'appeler comme il veut, moi, je m'en moque. Tiens, debout. Tu vois bien qu'il dort. Oh, salaud, hein, je vais en profiter pour lui casser la gueule. Mais saut. Et c'est pas une raison. Coucher avec la femme d'un ami parce qu'on est sous, c'est pas une excuse. Je crois que tu es mort. Mais ça non plus, c'est pas une raison. Coucher avec la femme d'un ami parce qu'il est mort, c'est encore pire. Quand même, hein. C'est un peu fort. Et qu'est-ce qui se serait passé si j'étais pas sorti du placard? Vous seriez allé dans la chambre. Tu vois bien qu'il vaut mieux que tu n'y sois pas. T'entends ce que tu dis? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous y seriez allé? Tu serais allé dans la chambre avec lui? Bah, bien sûr que non. Salaud. Ah, je vais en profiter pour y casser la gueule, moi. Non. J'ai vécu un gros stress dans le placard. Quand on voit rien, c'est encore pire. On imagine. Il peut se réveiller n'importe quand. Qu'est-ce que tu feras s'il ouvre les yeux? Ben je les lui refermerai en lui écrasant mon poing sur le nez. Ben non, je ne suis pas prêt d'oublier ce qu'il voulait faire avec toi. Et ça ose se dire, un ami. Mais c'est pas sa faute. On a cherché.
m'avait donné à penser qu'il pouvait continuer. Bien sûr que non. Écoute, réfléchis deux secondes, regarde, il est saoul, il est ivre, il croit que c'est ta faute, c'est sa faute, il s'était suicidé, il se sent coupable. Il se sent coupable? Ah oui, enfin, voyons. Mon pote. Voilà, c'est ça. Mon vieux pote. Fais attention de ne pas t'habiller. Mon poteau. Oh, est-ce que je te reverrai un jour? Est-ce que tu me reverras? Nous reverrons-nous tous les deux. Tu lui parles doucement, sans crier, et tu retournes dans le placard. Oh, pauvre Jean Bernard. Pauvre JB, là. T'as perdu ton ami, là. Ton ami est mort, ton chagrin fait peine à voir. Oh, Frédéric! C'est ma vie. Christine! Non, c'est pas moi. Oh, je suis là, Jean Bernard. Oh, Frédéric! Tu es en train de rêver, Jean Bernard. Oui. Tu crois que nous sommes là, mais en fait, il n'y a personne. On est dans ton rêve, Jean Bernard. Dans ton rêve. C'est bien moi, Jean Bernard. Dis, Frédéric, tu veux bien? Tu veux bien quoi? Me donner Christine. j'aimerais mieux pas tant qu'elle. Tout est de ma faute. Oh, mais j'y suis attaché quand même. J'aurais jamais dû te laisser seul dans la salle de bain. Je m'en veux tellement, Frédéric. Oh, mon Frédéric. Il s'est endormi. Je veux aller dans la chambre avec toi. Et s'il vient, s'il lui prend l'envie de me venir me retrouver dans la chambre. Mais justement, je préfère être là. Ce n'est pas possible. Non, ce qui n'est pas possible, c'est qu'il aille dans la chambre avec toi. Mais tu viens de lui dire que tu n'étais pas d'accord. Il me semble que tu as été assez clair sur ce point. Ben, il a peut-être mal compris. Je préfère pas prendre de risques. Frédéric, je te jure que je crie s'il vient dans la chambre. Je te le jure, Frédéric, retourne dans le placard. Mais toute la nuit, ça va durer encore longtemps. Le monsieur des assurances va venir. Tout se passe comme prévu, Frédéric. Et après, qu'est-ce qu'on fera après? Nous irons dans un pays chaud. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qu'on profite. Et puis on appellera Jean Bernard pour lui dire de nous rejoindre. Quand nous serons installés. Je suis triste de quitter Jean Bernard. On lui dira de prendre une assurance d'essai. Il est de plus en plus dépressif. Ça ne posera pas de problème. Je suis triste, Christine. Pourquoi es-tu triste? Tout le monde croit que je suis mort. Mais tu n'es pas mort pour moi, Frédéric. Ça, je ne pourrais pas le supporter. Qui n'a jamais dormi dans un placard ne peut pas se rendre compte. On pense tout le temps qu'on est mort. Au milieu de la nuit, on regrette. On se dit qu'on a tout raté. C'est trop tard. On ne peut plus rien faire puisqu'on est mort. J'ai l'impression d'être un fantôme. C'est comme si je revenais hanter l'endroit où j'ai vécu. C'est bizarre d'être mort. On ne voit plus les choses de la même façon. On ressent une sorte de détachement. Mais je ne suis pas vraiment mort. C'est seulement une impression. Mort pour les autres ne veut pas dire que je sois mort pour de bon. Mais le regard des autres, c'est si important. On a tendance à s'y conformer. Comme c'est étrange de sortir d'un placard et de se retrouver tout à coup chez soi. Suis-je mort? Je suis peut-être mort au milieu des produits d'entretien, assis sur la chaise, la tête contre la porte. Mes amis, je ne vous verrai plus. Et Christine, je n'avais plus quelle pensée affreuse.
comment pouvez-vous vivre, vous autres, tous, alors que je suis mort? Comment la vie peut-elle continuer sans moi? Je ne compte pour rien. Je n'ai donc aucune importance pour vous. Mais j'y pense. Où est-il? Qui ça? C'est Jean-Bernard. Mais il n'est pas là. Sous le lit. Il n'est pas là, je te dis. Dans l'armoire. Il n'est pas dans l'armoire. Quelle heure est-il? Il est encore tôt. J'espère que la journée d'aujourd'hui sera plus calme que celle d'hier. Je suis là, Christine. Oh, Franck, quelle honte. Il s'est passé quelque chose. Arrête, Franck. Ça va, Christine? Pourquoi tu as crié? Je vais tout t'expliquer, Franck. Christine, je ne vois plus rien. J'ai passé la nuit devant l'ordinateur. À un moment, ma vue s'est brouillée et maintenant, je ne vois plus du tout. Tu ne vois plus? J'espère que ça va passer, mais là, je suis aveugle. Tu ne vois pas? Et pourquoi tu as crié, Christine? Ma chambre est à côté de la vôtre. La tienne. Tu me vois, Christine? Je ne sais plus comment dire. Est-ce que tu me vois là? Là pour rien du tout. Combien j'ai de toi? Je ne sais pas. Franck, tu pourrais sonner quand même. Ah, mais je t'ai entendu crier. Ah, mais j'ai fait un cauchemar. J'ai pas envie de faire des cauchemars après ce qui m'est arrivé. L'arrivée de Frédéric. Tu lui parles encore comme s'il était encore là. Oui. Et j'étais lui parler quand je suis entrée. Ça m'a rendu honteuse que tu m'entendes parler toute seule. Oh, Frédéric. Tu pourrais sonner quand même, c'est pas compliqué d'appuyer sur la sonnette. Qu'est-ce qu'il lui a pris? On sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est parti. La façon dont tu s'y es pris, je te jure que j'ai du mal à dormir aussi. Je voudrais être seule, hein, pour pouvoir penser à Frédéric. Alors si j'ai besoin de quelque chose, je t'appellerai, Franck. Frédéric, je n'avais pas d'affinité avec Frédéric. Hein. Mis à part l'informatique, pas grand-chose ne l'intéressait. Hein. Au revoir. Tout te dire, je le trouvais un peu limité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu n'as rien entendu? De quoi tu parles? Comme un gémissement, il y a quelque chose qui bouche le sol. Tu sais pas? J'ai acheté un chien. Oh, j'adore les chiens. Non, mais n'approche pas, c'est là horrible, il est horrible. Il n'est pas commode, t'as de la chance de pas le voir. C'est un adulte? Oui, mais j'avais besoin d'un chien qui me rassure. Mais c'est quoi comme race? Un bâtard. Comment il s'appelle? Rex. Oh, très original. Il a fallu faire vite. Merci, Franck. Au revoir. Christine, il faut que je te parle. Mais je dois lui faire sapater. Parce que s'il n'a pas sapaté le matin, il devient fou. Puis alors il me fait peur. Arrons-le. Qui c'est qui va m'en sapater? Hein, c'est Rex. Rien. Je vais lui faire sapater. Merci d'être venu, Franck. Ma mère est morte. Je vais te le dire. Ta mère est morte? Oui. Mais c'est... C'est affreux. Mais quand est-ce que... Oh, il y a presque un an. Non, mais pourquoi? Tu m'as rien dit que ça doit être un choc. Elle était souffrante. Non, elle est décédée de mort naturelle. Oh, bah tant mieux. Mais quand même, un an. Pourquoi t'as attendu si longtemps pour me le dire? Je ne trouve pas de travail. Excuse-moi, Franck, mais quel rapport? Je vivais sur sa pension. C'est vrai, ça? T'as laissé un petit pécule? Ah non, mais je continue à vivre sur sa pension. Mais comment c'est possible, ça? Elle est décédée. Attends, Rex, ça va pas durer longtemps. Maintenant que Frédéric est mort, je pense que tu peux comprendre. Je n'ai pas déclaré le décès. Pour continuer à toucher la pension. Mais c'est une idée, ça. J'étais sûr que tu comprendras. Alors, bien sûr. Évidemment. Alors, ça veut dire que les gens croient que ta mère est toujours vivante. Hein. Je réponds au courrier en imitant sa signature. Bien joué. Ça, c'est toujours pareil. Il suffit d'y penser. Mais alors, une question, Franck. Oui. Si tu n'as pas déclaré le décès de ta pauvre maman. Oui. Où est-ce qu'elle est? Elle est dans sa chambre. Dans sa chambre. Décédée? Décédée, oui. Tu veux dire
Je ne sais pas, hein, je ne vais plus la voir. Après quelques semaines, elle avait beaucoup changé. Je ne m'entendais pas avec ma mère, moi. Elle me donnait de l'argent au compte-goutte. Maintenant, je touche la pension au carré. Je dis pas qu'il n'y a pas de d'idée là-dedans, mais il y a quand même des désagréments. Oh, j'ai calfeutré la chambre avec de la ouate. Et j'ai acheté des diffuseurs de parfum. Hein. Les diffuseurs et l'ordinateur, c'est un peu trop pour les yeux. Mais il n'y a pas que ça, Franck. Il y a quand même que tu vis avec ta mère morte depuis un an, même si elle sort plus de sa chambre. J'ai pensé la mettre dans le placard. Mais finalement, je l'ai laissée dans la chambre parce que le placard, c'est vraiment trop moche. Médor, c'est pareil. Non, mais Médor, Rex, c'est pareil. Franck, je me demande où tu vas trouver des idées pareilles. Sur le net, il y a plein d'histoires comme ça. Je passe mes nuits à chercher des histoires drôles à cause de ma mère, là, dans sa chambre. Là, je ne peux pas lire, alors j'angoisse. Personne ne va jamais dans la chambre. Ma mère ne voyait jamais personne, et qui voudrait aller dans la chambre? La chambre, c'est le meilleur endroit. Je te fais tapater, Rex. Il a l'air taré, ce non, chien. Non, mais ne dis rien, sur lui. Franck, comment tu fais pour toucher la pension? Je vais chercher les mandats à sa place et je dis qu'elle ne peut plus bouger. Marc, là, tu mens pas. Il faut bien que je trouve une idée, puisque je suis sans droit. Je peux comprendre. Quand on est longtemps sans travail, pense à des choses comme ça. Agressif et peureux, en même temps, ça doit être un chien battu. Non, mais... ça les rend con d'avoir été maltraité. Ne dis rien sur lui, ne lui parle pas. Pourquoi? Ce chien est susceptible, il prend tout de travers. Justine, à cause de Frédéric, ça va retourner. T'inquiète pas, je dirai rien. Je suis une tombe. Blague? Oh non, merci, Franck. Tu sais ce que c'est qu'un squelette dans une armoire? Non, merci. Quelqu'un qui a gagné à cache-cache. Salut, Rex! Tu vas la voir tapater, mon gros. Alors là... Dis rien. Ah non, mais là, quand même. Non, mais dis rien. Ah mais s'il te plaît, Christine, là, j'ai besoin de parler, je grogne depuis 20 minutes. Mais je viens de faire le chien, Christine. Peut-être encore derrière la porte. Mais Rex, tu m'as appelé Rex, quelle humiliation. Il était là, j'allais pas t'appeler Frédéric. Oh non, mais c'est inouï, elle vient de dire quelque chose d'incroyable. Et alors, tu vas me préparer ma pâtée, maintenant? Je t'en supplie. Non, mais l'autre, là, avec sa mère dans sa chambre. Et je te préviens, Christine, moi, je ne vais pas rester un an dans le placard. Oh, j'ai failli aboyer. J'ai failli aboyer pour qu'il parte, tu te rends compte? Dans le placard, vite. Vite. Je vais m'en débarrasser, tu vas voir. Non, mais c'est de la pure démence, là. Non, mais je te jure que je ne le laisse pas entrer. Qui que ce soit, je le jette dehors. Humilié, humilié. Je le jette dehors, je l'insulte. Bon ben, envie, les gens, mais j'en sors tout de suite, là, je te préviens. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, ma fille. Bonjour, papa, c'est toi, papa? Eh oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux, papa? Je pense quoi, non, je viens repeindre le mur. Bonjour, papa. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux, papa? Le mur, il en a besoin. Bonjour, papa. Laisse entrer. C'est pour moi, habillé, toi? C'est parce que je viens repeindre le mur. Maman est avec toi? Ah non, je suis venu seul et j'ai conduit la voiture. Dis donc, tu as conduit la voiture? Bon, tu laisses entrer ou on discute jusqu'à la Saint-Guinglin, car vraiment une drôle de façon de me recevoir. Tu as un seau? Un seau? Pour les pinceaux. Tu as un seau? Oui, tu dois en avoir un quelque part. Ah, je ne sais pas si j'ai un seau. Dans ton placard à rangement. Ah, mon placard à rangement. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir dans mon placard, ça tu penses bien? Le placard, ben c'est pour ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans mon placard. C'est pour les pinceaux, j'ai besoin d'un seau. Il y a drôlement besoin d'être rafraîchi, ton mur. Tu as soif? Tu veux un verre d'eau? Non, je veux un seau avec de l'eau pour les pinceaux. Tu dois en avoir un dans ton placard. Je ne sais pas si j'ai un seau dans mon placard. Pas besoin d'en acheter un. C'est incroyable, dans le placard, comme tu m'avais dit.
vais le remplir d'eau. Un seau sans eau, c'est seau. Non, je tiendrai plus, hein, c'est fini, terminé. Non, je tiendrai plus, là. Thierry, je t'en supplie, tiens-toi tranquille. Oui, mais enfermé toute la journée à l'écouter, je tiendrai plus. Écoute, va lui dire que je suis là. Hein, je bouge pas, je vous attends. Je me suis raté, c'est tout, il comprendra. Mais il est cardiaque, ça va le tuer. Ben, c'est lui ou moi. Dis-lui que ce mur, tu l'aimes comme il est. Hein, c'est moi qui l'ai peint, le mur. Alors dis-lui que tu veux pas qu'il y touche. D'accord, je lui dis dès qu'il arrive. Non, parce que là, Christine, tu vois, j'en peux plus. C'est ton mur, je veux pas qu'il y touche. Tu veux pas qu'il y touche, je lui dis tout de suite. Tu lui dis, dès qu'il revient. D'accord. Dès qu'il arrive. Dès qu'il arrive, ok. Faut que je te dise quelque chose. Moi aussi, faut que je te dise quelque chose. Ce qu'a fait ton mari m'a donné à réfléchir. Moi aussi, c'est à propos de Frédéric. Je vais quitter ta mère. La décision est prise, je ne peux plus la supporter. Enfin, qu'est-ce que tu... 40 ans, Christine! Enfin, oui, mais je... C'est long, 40 ans. Il est temps pour moi d'atteindre la terre promise. Quelle terre promise? J'ai rencontré quelqu'un, Christine. Quoi? À l'enterrement de Frédéric. Mais qu'est-ce que tu vois? C'est arrivé, enfin. Mais, d'accord. C'est ton amie, Cathy. Je sens qu'il y a quelque chose entre nous. Mais enfin, papa. Elle me donne envie de vivre, Christine. Mais vivre quoi? Tu veux vivre quoi, papa? Qu'est-ce que tu veux vivre? Ma vie, ta mère, m'empêche de vivre. Avec Cathy, je me sens enfin un homme. La preuve, j'ai plus remis le bleu de travail, mais depuis des années. Mais où est maman? Quand je suis parti, elle était encore couchée. Elle m'a demandé où j'allais. Je lui ai répondu, rendors-toi, vieux tromblon. Tu as traité maman de vieux tromblon? Oui, ma mère est peut-être morte dans la chambre à l'heure qu'il est. Tant pis, avec ma retraite et le salaire de Cathy, on devrait s'en sortir. 40 ans de sidérurgie avec ta mère sur le dos pour une retraite minable. Ben, j'espère que Cathy s'en contentera. C'est une femme qui doit avoir de gros besoins. Le mur, pas le mur, maintenant. Tu as raison, on en parlera plus tard. Le mur, concentre-toi sur le mur. Ça vient, une minute. Ça sent une drôle d'odeur. C'est la peinture. Est-ce qu'elle a cette peinture? Le mur, pas le mur maintenant. La peinture sur le mur. Oui, ça vient. Ramène ta mère. Le mur. Maman, c'est toi? Tu es vivante. Tant mieux. Qu'est-ce que c'est? On a sonné. Je sais, mur. Rex, et là, je ne voudrais pas qu'il me saute à la gorge. Ta mère est sortie de la chambre, elle est encore vivante? Bah, elle pète le feu, ma mère. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est mon père, il parle de ma mère à moi. Ma mère à moi, pas la tienne. Bah, tout va très bien de mon côté. Ma mère à moi, elle tient la forme. Elle fait du Krav Maga dans sa chambre. Franck, est-ce que tu as chez toi un petit appareil qui sert à écouter de la musique? Dialogue entre deux trompettistes à la sortie d'un concert. Alors, il sort sa grosse trompette et il veut la trace. Qui c'était? Franck, voisin. Et Rex? Son chien, aveugle. Le chien? Non, voisin, ma chien. Tu ressembles à ta mère. Le mur, la peinture sur le mur. Cathy. Cathy! C'est moi, c'est Christine. Chez moi, le plus vite possible. Ta mère, complètement. Peinture, pinceau. Tu ressembles de plus en plus. Mur! Bientôt. Le temps de passer la deuxième couche.
La deuxième couche, c'est plus rapide que la première. Je sais pas. Ah, si, si, c'est plus rapide, je t'assure que c'est plus rapide. Alors ça durera plus très longtemps. Il n'a pas parlé de troisième couche. Je l'ai pas entendu parler de troisième couche. Tu veux que je lui demande? Non, non, pas tout de suite. Je suis bien là, avec ta main dans la mienne. Je t'aime, Christine. Si, je t'aime. Je t'aime tellement. Tu veux que je vienne avec toi dans le placard? Et s'il arrive et qu'il nous découvre? S'il arrive et qu'il ne me voit pas, il appellera et alors je sortirai. Et qu'est-ce que tu lui diras? Je lui dirai que je cherchais quelque chose dans le placard. Mais une serpillière! Voilà, c'est ça! Il y a une serpillière à côté de moi. Alors tout va bien. Tu veux que je vienne maintenant? Qu'est-ce qu'il fait là en ce moment? Il termine la première couche. Bah, je préfère attendre qu'il passe à la deuxième. Il faut peut-être un peu de temps pour que ça sèche. Comme tu voudras. T'es sûr qu'il entend bien? J'ai mis le son au maximum. Oh, c'est bien. Ton père est fou, Christine. Cathy lui a fait perdre la tête. Ah oui, mais il était déjà fou avant de la rencontrer. J'ai pas remarqué qu'il lui parlait à l'enterrement. Oh, bah, moi non plus, j'avais pas remarqué. Ah mais faut dire que j'étais pas moi à mon enterrement. Je suis très calme, Christine. En fait, j'ai de plus en plus l'impression d'être mort. Toi seul me fait penser que je suis vivant. C'est parce que tu me tiens la main. Ça va? Oui. Je te regarde. Le casque, relève le casque. Tu penses à Frédéric? Voilà, c'est ça. Je pense à Frédéric. Mais il ne fallait pas trop lui en demander à Frédéric. C'est pas lui qui aurait repeint le mur comme ça. T'en as encore pour longtemps? J'ai presque fini la première couche, je vais attaquer la deuxième. Tu ne passeras pas de troisième couche. Tu crois? Non. Ça serait mieux, en effet. Non, deux couches, c'est bien. Non. Une couche suffit, d'accord? Trois couches, c'est beaucoup mieux. Il y aurait assez de peinture, et puis de toute façon, tu iras m'en acheter en bas, s'il n'y en a pas assez. Cathy a appelé. Cathy? Elle a appelé? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je ne voulais pas te déranger pendant que tu peignais. Tu ne m'aurais pas dérangé. Qu'est-ce qu'elle voulait? Je ne sais pas, ce n'était pas très clair. Mais oui, confuse, évidemment. Elle va devenir ta marâtre. Ma quoi? Ta marâtre, puisque tu vas devenir sa bru. Elle quoi? Marâtre. Ta râtre? Pas ta râtre. C'est pas marâtre. Marâtre. La tienne. Ta marâtre. Puisque tu vas devenir sa bru. Ça fait beaucoup de changements. Elle n'a pas dit de te dire qu'elle t'attendait. Où ça? Où t'as-t-elle dit qu'elle m'attendait? Et tu me dis ça maintenant, ma petite Cathy. Et où est-elle? Devant le monument aux morts. Oh! Ça doit être important, ça, le monument aux morts. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Je peux pas aller la retrouver habillée comme ça. Mais le plus de travail, ça fait homme. La preuve, c'est que très peu de femmes en portent. Ça fait homme actif. Fais le carré. Devant le monument aux morts, mais ça fera bien. Cours, papa. Victoire! Tu l'as eu. T'as réussi. Oh, je l'ai eu. Ah non, mais oh, t'as été extraordinaire, t'as été sublime. Comment tu l'as envoyé promener, ni vous, ni connu? Il a rien vu venir. Oh, j'en pleurerai. J'ai réussi, t'as entendu ce que je lui ai dit, ça n'a pas traîné. Mais j'ai tout entendu. Je trépignais dans mon placard. J'ai même failli sortir pour t'applaudir à un moment. Alors là, j'ai été forte, tu peux pas dire le contraire. T'as été plus que forte. T'as été incroyable. L'appel de Cathy. Oh, Cathy qui appelle, fallait y penser ça. Et qu'il attend depuis une heure. T'aurais eu sa réaction. Il a eu un coup de sang. Il était fou. Et quand il m'a demandé où elle l'attendait. Le monument aux morts. Et c'est là que j'ai failli sortir pour t'applaudir. Et tu sais quoi, t'as été plus qu'extraordinaire. T'as résolu le problème. J'ai résolu le problème. Il n'y a plus de problème. Mais non, il n'y en a plus, c'est fini. Plus de problème. Ramasse-moi un sporteur.
votre voisin était sur le palier, il vient de rentrer. Je suis passé devant lui, il ne m'a pas vu. Mais c'est normal, il est aveugle. Tant mieux. Laissez-moi entrer. Non. Oh, Christine. Enfin. Il est dans le placard, pas dans la chambre. Bonjour madame, je suis le laborantin de l'autre soir, vous vous souvenez ? Tout à fait. J'ai appris pour votre mari et j'ai tenu à vous présenter mes plus sincères condoléances. C'est très aimable à vous, d'autant plus que nous nous connaissons à peine. En effet, nous nous sommes rencontrés qu'une seule fois. En présence de mon mari. C'est même la seule fois où je l'ai rencontré lui aussi. Mais j'ai pu mesurer à quel point l'homme valait la peine d'être connu. En effet, il montra dans notre unique rencontre à quel point... Vraiment... Beaucoup de sollicitude à mon égard. Beaucoup de sollicitude. J'étais très perturbée. J'étais pas très aimable avec vous parce que je sentais que... mon mari avait décidé d'en finir, alors je voulais passer le temps qui me restait à vivre avec lui sans être dérangée, fût-ce pas un laborantin sympathique et désintéressé. Mais qui donc vous a prévenu ? Ni plus ni moins que votre médecin, avec lequel ma relation se sent améliorée. En effet, il me nomma responsable du laboratoire, d'un grand laboratoire. Tant mieux, je suis heureuse d'apprendre que votre situation s'améliore, parce que si j'ai pu vous sembler froide lors de notre entrevue, sachez que j'ai un cœur qui bat, ce qui n'est pas le cas de mon pauvre Frédéric. Vous pleurez ? Laissez-moi, s'il vous plaît, c'est très difficile de vivre ce que j'ai à vivre. Vous êtes attaché ? Vous avez encore des sentiments pour lui ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez vraiment, là j'ai bien vu, vos larmes n'étaient pas fins. Moi je réalise tout d'un coup, je réalise tout d'un coup, je réalise. Le pire, c'est que je suis encore jaloux. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est quand même terrible d'être pris à ce point-là. Vous n'êtes pas jaloux, vous n'êtes pas pris. C'est quoi de votre mari ? Alors que je n'étais pas avant. Sors de là si tu es un homme. Sors de là. Oh le couard, oh le pas courageux, oh le petit. Oh non, pas le petit. Quel chiffre molle. Chiffre molle. Moi je vous ai cru, hein. Vous disiez ne plus avoir de sentiments pour lui. J'ai jamais dit ça. La menteuse, avec vos airs là. Oui, avec vos airs là. Franck! Et voilà votre amant, à portée de main, qui vous raconte des cochonneries. Oh, votre mari n'est pas là! Quelle honte! Rex! Qui c'est celui-là? Un autre? Fou que j'étais, jusqu'à établir le certificat de décès, immolé par le feu, parce que la chance a voulu que des clandestins périssent dans l'incendie de leur logement vétuste. Alors, certificat légal, médecin légiste. Je suis complètement fou. C'est complètement fou. Comptez plus sur moi pour vous livrer en médicament. C'est terminé. Bonsoir, madame. Vous habitiez à votre voisin, Rex. C'est quoi, Rex? Un pseudo? Bon, alors, cagoule aux muselières. Votre femme, elle a une double vie. Franck, votre voisin l'échauffe en lui racontant des insanités. Rex l'éteint avec des procédés sadomasochistes. Hein? Et Takada, twin, des singes, des rats. Bien le bonsoir, madame. Dans la chambre.
ici. Hein. Jamais dérangé. Je crois que je vais m'installer ici. Parce que voir de temps en temps. Dans la chambre. Tu sais, Christine, je me retrouve sans travail. Licencié pour faute grave, ça veut dire pas d'indemnité. Je marche avec vous. Un tiers de la somme. Quoi ? Georges,
Mais puis-je au moins connaître le nom de cette personne pour savoir à qui m'adresser le jour où l'envie me prendra de venir te voir? Et là, sans se démonter le moins du monde, il m'a donné un nom, il m'a dit, elle s'appelle Cathy, avec une étincelle de lubricité dans le regard que je ne lui connaissais pas. Je lui ai demandé avec un calme qui m'étonne encore moi-même, qui est cette Cathy? C'est elle. Bienvenue, voilà, il y a de l'eau. Éponger, trouver le serpillier, je vais éponger l'eau dans le seau. Heureusement, c'est que de l'eau. J'éponge l'eau dans le seau avec une serpillière. Tu l'as trouvé où, la serpillière? Dans le placard, Frédéric me l'a donné. Il est dans le placard. Et il est assis comme un roi sur sa chaise. Cesse de dire de plein de choses, Georges. Le tiers, c'est d'accord. Demande à ta mère de me lâcher là. Non, lâche-moi. Lâchez-moi, vous. Le tiers, ok. Le tiers. Mais le tiers de quoi? Le tiers. Ah, mais je vous préviens, il est hors de question de faire ménage à trois. Moi, je suis complètement soufflée. Et voilà le travail. Il est pourtant de lui. Qui est cette créature? Une amie. Je ne te fusille pas. Ton amie a très mauvais genre. Comme tous les hommes, ton père n'est pas insensible à une certaine vulgarité féminine. La garce! Dans son ami est parfait exemple. Foutu garce! Quand le quotidien se borne à enfourner des barres d'acier dans les fourneaux, couche! Non mais dis donc, hé! Ne conteste pas, Georges. Toute ta vie, tu n'as connu que des hommes qui sentaient l'huile de vidange. Leur femme ne valait guère mieux, figée comme elle était dans leur dignité ouvrière, exhalant le samedi soir des parfums de salon bon marché, touchant difficilement une transpiration abondante de femmes débordant de travail à la maison. Cochon! Oh mais oh, oui! Ah oui, un parfum capiteux, un maquillage appuyé, suffisent à faire tourner la tête d'hommes simples et frustres, comme toi, Georges. Georges? Pardon, tu disais? Je disais que ce n'est pas ta faute, Georges. Je te pardonne, Georges. Merci. Tu es lourd. Oh, que tu es lourd. Eh oui, je suis lourd. Le problème, c'est la différence de milieu. Quand j'ai rencontré ton père, je viens d'un milieu beaucoup plus élevé que celui de ton père. Et à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais très politisée. On ne peut pas comprendre maintenant. Mais à l'époque, tout était très politisé. Il n'était question que d'engagement et de révolte contre la bourgeoisie. En me mariant avec ton père, j'ai épousé la cause prolétarienne. Georges, il s'agissait bien d'un mariage d'amour, hein, Georges. Et pourquoi Frédéric est dans le placard? Il me donne des envies de le battre. Continue comme ça, Georges. On rentre à la maison. Oh, cette fille t'a trouble-boulé l'essence. Dans la chambre, Georges. Ah non, pas ça. Je crois qu'après ce que tu as fait, tu as perdu l'occasion de te taire. C'est pas lui qui est dans le placard, je c'est un autre. Je vais te faire passer l'envie de rentrer. Mais, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, qu'est-ce que j'ai fait dans la chambre, Georges. Christine, c'est moi. Tu m'entends? Tu dors? Somnifère. Je vais prendre un cachet.
suis fatigué. Il est fatigant de ne pas travailler. J'aime partir au travail. J'aime me trouver sur le lieu du travail. Et pour finir, j'aime revenir du travail. Tout ça fait beaucoup de bien. C'est calme. Le bruit du frigo, peut-être. Non. Rien. Tout s'est arrêté. C'est un autre monde. Il y a la vie et il y a la mort. Que dire là-dessus? La mort est généralement plus longue que la vie, hein. Par exemple, Napoléon est mort depuis 243 ans, il n'a vécu que 50 ans. Alors naturellement, on peut trouver des contre-exemples, hein. Dans son entourage, par exemple, mon grand-père, il a vécu 83 ans, et il est mort il y a 17 ans. 17 ans. Qu'ai-je fait de ma vie? Je ne suis personne. Ma vie, c'est toi, tu m'entends? Quel calme. Heure lente et vide. Monotonie du placard. Fantôme, encore, j'écoute le silence. Mais les vivants endormis n'écoutent pas les vivants qui parlent. Écoutent-ils les morts dans leur rêve? M'écouterais-tu si j'étais mort? Mourir